Est-ce que ce thème vous fait rappeler Superman? Bonjour à tous, c'est Kid Page 59. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un test d'un jeu pourri. Pour une fois. Pour changer. Pour changer, j'avais envie de changer. Donc on se retrouve avec Superman 64. Réputé pour être le jeu le plus pourri sur la Nintendo 64. Même vous, vous devez le connaître. On peut pas même faire plus pire en faisant exprès. C'est sorti en 1999, mais ça. Regardez, juste ça. Ça vous donne envie d'y jouer. Et j'ai déjà juste que ça. Ça vous donne envie d'y jouer. Ah, regardez, il y a des mots qui se plantent. Regardez, moi ça. Même des mots se plantent totalement. Déjà, c'est bien parti. C'est ce que j'ai à dire. Ah, regardez-moi. Pitoyable. On va quitter. Hop, voilà. Non, la toile est repartie. Ah, c'est bon. Donc, dans les options, volume de son, volume de musique. Le mode, très important. Il faut tout de suite le mettre en facile. Parce qu'il n'y a pas d'anneau dans les épreuves dites d'anneau, comme vous avez pu voir dans la démo. Et on a du temps pour finir les épreuves. En mode normal. Oula. On a un homme normal d'anneau et on a assez de temps pour finir les épreuves. Et en mode Superman, bah, c'est impossible. Il y a beaucoup d'anneaux, il y a un autre chemin. Et vous devez vous presser. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je vous ai pas dit. C'est développé par Titus. Titus Interactive. Qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur français pour créer certains jeux de merde, comme celui-là. Et heureusement que la société a fait faillite en 2004. On sait pas tout ça, on va commencer. Non, la démo est repartie, non. Voilà. Alors, nouvelle partie. Non, je veux pas. In short time, your fate will be sealed, Superman. Ok. Tu ne retrouveras jamais tes amis. Wow! Tes amis dans ce monde virtuel. Wow, ça va trop vite. Then there's no time to waste. Ouais, je vais vous présenter le mode normal, ouais. Vous voyez? Passer dans les anneaux. Là pour l'instant c'est assez facile. Oh, je me débrouille pas mal. Là je me débrouille pas mal. Oh. Oh non, oh non merde, j'ai mis en mode Superman. Ça c'est beau ça. Bon, il faut que je suis pas à l'ordi. Oh, c'est beau ça. Ça c'est beau. Et une autre voiture par là. Et voilà. Et voilà. Voilà, en fait, là j'ai terminé la mission. Moi, c'est 8 secondes. Sauf. La voiture elle est pour là. Il comprend plus rien. Allez hop, je m'envole avec Z. Et hop, on continue. C'est tout le temps la même chose. J'ai l'impression que le temps passe au ralenti. Ce jeu a gâché l'été 1999. Puisqu'il est sorti en juillet 1999. Donc ça a gâché. Imaginez, si vous êtes fan de Superman, vous dites « Ouais, je me suis joué là. Allez, je vais combattre des centaines de méchants. » Oh, merde. Oh, c'est bon. Là, je me débrouille. Pas mal. Ah, merde. J'ai dépassé trop d'anneaux. Et en fait, dès que vous dépassez trop d'anneaux, bah... On sait pas pourquoi il a gagné. Allez, comprends pas. Donc voilà, c'était pour vous présenter le mode normal, ou le mode Superman, je sais plus pourquoi je l'ai mis. Le mode Superman. J'ai réussi à le faire en mode Superman. Vous allez voir, en mode facile, c'est beaucoup plus facile. In on peut passer. Time, your fate will be sealed, on peut pas passer. Superman. Donc c'est un jeu d'aventure et d'action, comme vous avez pu le voir. Un jeu de plateforme aussi. Then there's no time to waste. Oui.
façon, c'est marqué, si tu veux retrouver tes amis, suis la boussole, Superman. Donc, comme vous voyez, là, le ciel, il est rose, mais j'essaierai de faire un petit montage pour faire comme dans la version originale. Dans la version originale, c'est en fait, c'est une bande de kryptonite qui empêche Superman de voir loin. En fait, ils ont pris l'excuse que c'était ça, mais en fait, c'était pour avoir un meilleur rendu d'affichage, sinon ça aurait sûrement ramé. Allez. Hop, voilà. Allez, hop. Moi je m'en vais, je commence à avoir ras-le-bol. Déjà les commentaires négatifs de la critique. Alors déjà Game Ranking, celui qui s'occupe de la version nord-américaine, 23%. C'est pour dire 9 sur 20 sur jeuxvideo.com, 3 sur 10 par GameCult, 1 sur 6 par Absolute Tears. Il est d'ailleurs le numéro 7 des 20 jeux les plus pourris de tous les temps. Là, ça commence un petit peu à ramer là. Donc... Oh là là, c'est chiant. Non, c'est pas vrai. Non, mais il veut pas prendre la voiture. Attends, tu m'étonnes. C'est-à-dire qu'il faut carrément se mettre de côté pour la prendre. On dirait là, tu sors d'un Legend of Zelda, et là t'as ça. Mon dieu. Tu te dis, mon dieu, je vais plus toucher la Super Nintendo. Allez, là je vais essayer de pas te faire un vif. Je vais aller directement en contact. Elle est où? Oh merde! Comment je l'ai pris? J'ai même pas pu sur la touche prendre. Then there's no time to waste. Oh là là! Non mais à l'aide quoi! À l'aide! À l'aide là quoi! À l'aide! Lâchant quoi! C'est normal si vous avez eu un petit curseur, c'est parce que c'est l'émulation. J'ai oublié d'enlever mon curseur à chaque fois. Ça fait la cinquième fois. Ça fait la troisième. Pardon. Ça fait la troisième fois que je réessaye là. Je pense à avoir un bon. Et la voiture. Oh, en fait, il fallait toucher sur rien. Allez. Putain, ça rentre, c'est un truc de fou dès qu'il y a l'IA. L'IA est totalement ridicule, il faut le dire. Quand il est avec vous, différentes épreuves, il shoot qu'une fois, ou vous frappe qu'une fois, et après, c'est tout. Ils font rien d'autre. Je comprends pourquoi. Vous allez voir avec cette épreuve. Oula. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, il shootait qu'une fois, et après, c'est tout. Ridicule. Et en plus, vous pouvez diriger la caméra. Le stick, ça sert à utiliser les accessoires. Et regardez le superbe looping qu'il fait. Ouh. C'est super intéressant. Hein. Ah oui, il y a. Soit elle shoot, elle tire une fois, mais les autres fois, elle nous rate totalement. Comprenez pourquoi. Et là, il faut utiliser ça, un souffle, pour figer les tornades. Okay. Merde, c'est quel bouton pour utiliser? Ah ouais. Voilà, j'en ai dissipé une. Ça m'énerve, il s'arrête jamais. Et hop, une deuxième. Allez, hop, la troisième. Voilà, allez hop, on recommence avec les anneaux, en mode normal. C'est tout le temps la même chose, on a l'impression que le temps est ralenti quand on joue à Superman. Rien à nouveau ça. C'est de l'eau ça? Ah ouais, c'était de l'eau. Mon dieu, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Donc désolé s'il y avait un curseur. A chaque fois j'oublie de l'enlever, c'était pareil dans la thèse de Mario Kart 64. Hein?
Superman Wins. Ça y est. On a terminé le jeu ? Ah non. Là, c'était un tout autre endroit. C'est là que je me suis arrêté pour la vidéo test. Parce que je me suis dit, wow. D'accord. D'accord. C'est ça. Je me suis dit, ce jeu est à mi-chemin entre la drogue et l'ecstasy. This looks like a job for Superman. Ouais, c'est quoi le job? Alors voilà, j'étais bloqué ici. Même pas. Là. Vous voyez, il y a des lasers. Si j'y vais, c'est sûr que je perds de la vie, regardez. Énorme, j'ai. Pour que là, vous pouvez prendre votre temps. Ok. Merci. En fait, je me suis arrêté qu'au niveau de l'ordinateur à l'autre côté. Parce que je me suis dit déjà l'intro. Waouh, ça promet. En voyant que ça, mon dieu. Alors ces trucs vous explosent en pleine gueule, mais on n'en a rien à foutre. C'est quoi ces caisses? Même les caisses elles explosent. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. La porte d'accès auquel elle est utilisée. Putain, faut que je faut que je retourne là-bas. Même pas. Bah si, apparemment, faut que j'y retourne. Il nous dit d'utiliser l'ordinateur. Ça rame, c'est un truc de fou. Et ça vient pas d'émulation. Il n'y a pas d'émulation. Comment j'utilise la carte? Non, je... Utiliser l'ordinateur pour l'ouvrir. Eh merde. Alors, ça, je vais retourner là-bas. Moi. Et là, les FPS retournent à la normale. Il faut être en plein milieu. Il faut être en plein milieu. Autant le savoir. Donc, on y va. Je joue, mais regardez-moi ça. Je me suis planté dans un mur. Bon, voilà, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Je crois qu'on va se laisser. Je vais essayer de terminer ce niveau. Hein. Et on se dit à la prochaine.